Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va faire un petit DIY sur ça. Donc c'est un petit peu short quand même parce que c'est un peu simplet entre guillemets. Donc là, c'est Make Your Own MDF 3D Skinnery. Donc c'est, je pense que ça doit être là, dans la forêt, tout machin, genre ça. Donc à l'intérieur, donc ça coûte 1,79€. Donc ça, c'est chez Action. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc à l'intérieur. Les MDF, les feuilles, la mousse en 3D, comment dire, à double face de chaque côté. Donc les feuilles. Et tout ce qu'il y a à découper, quoi. Et donc le fameux pinceau plus la peinture, oui, je me suis trompé en fait. Merci à la dame qui m'a rectifié. J'ai même pas fait attention, j'ai jamais lu en fait. Moi je pensais que c'était la colle de base. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'ai oublié d'aller chercher la colle. Donc j'ai tout déballé, hein. Bien sûr, donc j'ai pris de l'avance. Merci à celle qui m'a dit aussi, comme quoi, oui, David, tu fais plus les DIY comme tu faisais avant. Donc maintenant, je vais refaire étape par étape, ça sera mieux. Donc j'ai fait un petit truc de démarrage, hein, parce que c'est un peu short quand même. Faut trouver le sens des planches. Donc voilà, ça se présente. Mais là, j'ai rien collé, hein, c'est juste un petit essai pour voir ce que ça donnait, quoi. Donc il n'y a rien de fait encore en surprise. Donc il y a encore le haut aussi, là. Mais, hop. Oui, alors me dites pas, oui, David, tu l'as taché. Non, c'est pas moi, je l'ai acheté comme ça en fait. Le bois, il a dû prendre quelque chose de gras. C'est un peu crade. Donc voilà. Donc là, j'ai prédécoupé tout le team, hein, entre guillemets. Hop, je fais un petit survol de tout ce qu'il y a. Pardon. Le cadre. Là, la peinture. Mais j'utilise pas la peinture. Vous savez très bien que moi, j'utilise pas les mousses en 3B, en 3D. Ça, ça, ça et ça. Voilà. Allez. On va faire étape par étape. Donc je vous disais, donc j'ai prédécoupé. Donc faites gaffe. C'est comme les papiers calques, là, vous savez. Mais là, ils ont foutu une image à l'intérieur, donc c'est un peu short. Hop, ça c'est déjà fait, ça c'est pas moi. Ils ont déjà prédécoupé. Et ça aussi, le petit sapin, après vous mettez vos décorations. Donc je sais pas s'il y a un sens exact. Moi j'ai pensé dans ce sens-là. Donc vous faites gaffe aussi parce que je me suis aperçu que j'avais une pièce qui était esquintée. Je sais pas si vous allez le voir. Là, c'est esquinté. Et j'ai pas trouvé le bois à l'intérieur. Mais c'est pas trop grave, c'est caché, ça se voit pas. Alors on va attaquer, je vais retourner la caméra vers le bas que vous puissiez voir, hein, parce que vous n'allez pas voir sinon. Hop, ça j'écarte. Ça de ce côté-là. Ça c'est la base, je sais plus. Et ça c'est la base. Voilà. Hop, et ça c'est le haut ou le bas, je sais plus. Si ça doit être le bas. Hop, allez, on va vers le bas. On ne me regarde pas moi, ça sert à rien. Et je vais aller chercher la colle. Hop, on reprend. Alors, on va commencer par le cadre pour masquer tout ça. Là. Ça remet de côté. Là, on a tout. Les petites découpes déjà prêtes. Alors, on essaie de bien le centrer. Hein. Vous avez vu, vous avez un sens. Donc, si vous le retournez dans l'autre sens, je crois que ça ne marche pas bien. Donc, voilà. Donc, on va essayer de placer ça propre. Et hop. On badigeonne. C'est encore de la colle de chez Action, j'ai oublié de préciser. Elle est très bien, ça suffit amplement. Bon, par contre, ce qui est un peu pénible, c'est de s'en foutre plein les pattes, en fait. Mais bon, après ça se lave, faut pas être feignant non plus, faut se bouger les fesses. Voilà. Ça commence. Hop. Bon, ce qui est bien avec ce colle, c'est qu'on peut la déplacer comme on veut. On peut déplacer les papiers, pardon. C'est pas qu'on peut la déplacer, c'est qu'on peut déplacer les papiers comme on veut. Voilà. J'ai mordu un peu, là, je crois. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc on a bien les sapins pardon, vers le bas, et pas vers le haut, parce que si vous les foutez dans l'autre sens, vous voyez ce que ça veut dire. Ben ça c'est bon pour les chats en fait, quand vous avez un sapin de Noël, vous les foutez au plafond, vous êtes tranquille. MDR. Donc voilà, alors une partie, ça colle bien aux pattes. Hein. Ensuite, sur les côtés, un sapin, et on a pareil de l'autre côté je crois, si je ne m'abuse. Enfin c'est à peu près le même. Ouais. Là c'est un double et l'autre c'est un simple.
Toc. Que je ne me trompe pas. Dans ce sens-là, je crois. Toc. Ça doit être ça. Donc là, pareil, en badigeon, hein. On n'hésite pas, on met de la colle. On essaie de bien le centrer quand même, qu'il soit pas mis plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Ça colle mat, il va falloir que j'aille me relaver les mains avant de foutre de la colle partout. Voilà. Ah, ça colle pas. C'est pénible, hein, je vous le dis. Donc ça, c'est l'autre partie. Alors, la partie, elle est où? Ah oui, sur celui-ci, c'est vrai, faut pas que j'oublie. Ça, ça, ça et ça. Donc l'autre partie, on fait pareil. L'autre partie, on met... Ah, ça y est, j'ai corné. Bravo, c'est du bio. On fait pareil de l'autre côté. On badigeonne. Le surplus, on l'enlève et on replace bien. Voilà. Donc voilà. On a déjà les deux parties plus le cadre. Ah, là qui colle. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? C'était lequel? Que je fasse passe d'erreur. C'était celui-là. Celui-là, je crois qu'il y a la base blanche. Je ne sais pas celui-là. Donc, ça, c'est le haut. Et ça, c'est Kezako. Un peu plus. Là, ça, c'est le fond. Et ça, c'est le haut. C'est ça? Ah, c'est un peu chiant, ce modèle, hein, je vous le dis. Hein. Ça, normalement, c'est la base. Ça, c'est la base. Et ça, normalement, c'est le haut. Ça, ça, non, c'est pas le gros. Ça, ça, c'est le fond. Et ça, si, c'est le haut. Non, c'est pas le haut. Ça, c'est le haut. Oui, ça, c'est le haut. Il est où, mon pépère? Si, c'est celui-là. Ok, vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu chiant, ils pourraient mettre un petit peu plus de détails dans leur fabrication, ça serait quand même un petit peu mieux. Donc ça, c'est le haut. C'est le plus large, en fait, j'aurais dû regarder aussi, si je bête. Hop, et là, c'est pareil, on badigeonne. Vous verrez qu'il y a un truc qui est chiant en fait, c'est avec celui-là. Il est beau en fait, mais le seul hic, c'est de placer les feuilles. Je les trouve un peu trop souples, ils auraient pu un peu durcir. Donc je sais pas si je vais pas mettre un bout de carton histoire que ça les durcisse un peu. C'est un peu mou du genou. Hop. Donc là, idem, comme ça, ça masque les trous, hein, dans un sens. Bon, là, il n'y a pas de découpe à faire, hein, ça qui est bien. À part, bien sûr, les pluches et tout le machin, on va mettre les animaux. Là. Donc, on essaie de bien le centrer, comme d'habitude. Et on enlève le surplus de colle qu'il y a dessus.
Simon 5, voici les feuilles. Bravo. Ça c'est fait. Voilà. Alors, ensuite. Ah, on tient les pattes. Hop. On vous présente. Donc voilà, comme ça on voit pas les trous qui sont derrière. Vous voyez, la tache grasse, ça sera à l'intérieur, on la verra pas. Ensuite, donc pour l'assemblage, donc c'est soit vous mettez de la colle à bois, hein, vous voyez, c'est vous qui voyez, c'est pas moi. Placez. Par contre, vous faites gaffe, c'est super fragile. Avec moi, avec mes grosses pattes en plus, ça va. Voilà. C'est pas très pratique. Et en fait, j'ai peur de c'est pété là. Vous voyez comment ça se cintre? J'ai pas peur que ça se casse. Donc, moi, je le colle pas, ça sert à rien. Ça s'enlève pas comme ça, donc c'est ça qui est bien. Voilà. Oh, ça bête. Voilà. Donc vous avez les parties comme je vous disais. Voilà. Je viens de le voir. C'est ça qui est bien avec les caméras, c'est qu'on voit ce qui manque. Comme ça, il n'y a plus de jour. De l'autre côté, c'est comment? C'est pas mal. On enfonce encore un petit peu. Et voilà. Donc voilà. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Vous avez assez les espaces. Vous voyez un peu les longueurs de tiges que vous avez tout en haut là. Hop. Et moi, en fait, j'ai plus de l'autre côté. En fait, il manque une partie. Donc je sais pas si dans les vôtres. Bien, dans l'autre sens, ça a l'air mieux. Je sais pas si dans les vôtres, si vous les avez achetés, vous faites attention quand vous l'achetez. Bon, vous pouvez peut-être pas trop l'ouvrir dans le magasin quand même, ça se fait pas trop. Vérifiez comme quoi si les tiges elles ont pas été pétées en fait. Parce que moi dans la boîte il n'y a plus rien, c'est ça qui est bizarre. Il manque des bouts. Bon, c'est pas trop grave. Donc ça, la petite partie, bien sûr, bah, si vous voulez utiliser de la peinture blanche, bah, vous mettez ça, c'est pour le fond en fait. Moi j'ai rien d'autre en fait pour masquer. Non. Hop. Toc. Et toc. Comme ça, c'est vite que ça s'ouvre en deux. Donc, soit vous mettez de la glu, vous savez, juste là dans l'interstice, c'est vous qui voyez. Donc là, pour les trous qui sont au fond, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour ça, là, comme c'est extra souple, donc ça, vous les faites glisser. Là. Si je ne l'ai pas mis à l'envers. Non, c'est ça. Donc voilà ce que ça représente. Après, vous voyez quand je vous dis que c'est un peu simple, ils auraient pu durcir le truc. Donc ne me dites pas, pour certaines qui vont me dire, pourquoi tu l'as pas collé avec le truc blanc? Je ne le colle pas avec le truc blanc parce qu'en fait, c'est espacé, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je vous dis, je vais peut-être mettre un morceau de carton histoire que ça le durcisse, mais j'ai peur de. En fait, je vais vous montrer pourquoi je veux pas le bloquer. Ah, c'est une tannée. Hein. Je suis patient, mais il y a des limites. Vous voyez, ça fait bomber, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc voilà. C'est vraiment nul en fait. C'est pas terrible. Vous voyez, ça bouge vraiment, vous mettez un coup de souffle, ça y est, il n'y a plus rien, tout est par terre. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je triche. C'est pas ça qui est ça, hein, leur truc. Enfin bref, c'est pas grave. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Donc la partie blanche, mettez ça au deuxième trait. Voilà. C'est vraiment. Si la feuille, elle est un peu trop souple en fait. Ils auraient pu la durcir un peu. Je sais pas si je vais pas mettre un truc en haut que ça le durcisse parce que ça se barre. Ça va me saouler ça. Je suis patient, mais il y a des limites. Enfin bref. Ah, le truc qui va me saouler.
ben il sera décalé et puis c'est tout. On verra après. Donc vous voyez, c'est pas ça qu'est ça. Hein. J'aime pas trop. Et ça, le sapin de Noël, on le met de ce côté-là. Toc. Et toc. Voilà. Donc ça doit représenter ça. Alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas mettre de truc dur parce que je vais prendre un truc. Je suis à vous. Je reviens. Ah, je vous reprends, désolé. Alors, parce qu'en fait, j'allais chercher ça. Donc, vous en trouvez l'action, ces petits modèles-là avec les piles. Donc, en fait, je voudrais le mettre derrière. Hop. Ça, ils ne le fournissent pas, bien sûr. Voilà. Ça fait une petite ambiance derrière. C'est pas mal, hein? Pas mal, hein? Oui, je sais, vous allez me dire, ah, c'est pas mal l'astuce. J'essaie d'en trouver. Je voulais chercher une lampe poche, mais bon. Je voulais ça. Les piles aussi, elles sont HS, donc il faut les changer. Donc voilà, vous achetez ça chez Action, vous pouvez le mettre derrière, donc ça craint rien. Vous mettez pas une vraie bougie, pour éviter que ça crame. Donc voilà. Hop, alors ça, on a fait ça, on a fait ça. Et franchement, c'est limite hein, leur truc. Hein. C'est limite de chez limite. Une fois que vous avez fini, vous mettez le fond, mais avant, on va mettre les décos. Hein. Je vais essayer de reproduire un peu leur truc à eux. Là. Ça c'est bon, donc. Et ça aussi vous pouvez les acheter à Action, changer les piles. Et moi ma femme a acheté plein de ces trucs là. Alors dans leur modèle à eux, ils décorent aussi l'intérieur peut-être avant je crois. Là, ils mettent le renne, ils mettent l'écureuil, c'est déjà pas mal. Et le reste après ça va, ouais. Alors pour le renne, il reste dans les décos, il est où Miss Renne. On va mettre là-dessus, c'est ça. C'est ça. Donc vous reprenez votre sapin, enfin vous voyez où c'est que vous le mettez surtout. Ouais, c'est là. Donc vous pouvez même le laisser dessus. Vous prenez la colle. Vous badigeonnez Maurice. Hop. Et c'est là. Hop, d'ailleurs on voit rien. Donc vous voyez, il est à côté de son mâle, je pense. Ça doit être ça. Vous voyez, c'est le renne. C'est le cerf qui est au fond et puis la reine dehors. La reine des neiges. Ça c'est bon, ensuite on va avoir le petit écureuil. Non, c'est petit lapin, c'est Pampan. Le petit lapin, on va le placer. Vous voyez, ça me saoule derrière le truc. Je tiens pas. Donc ça, il place où? Sur le blanc encore. On va mettre là-dessus. Hop, Mister Pampan. Du sapin sur sa bûche, il est très bien. Voilà comment ça me gave ça. Donc voilà le petit lapin. Ensuite, on a Mister Écureuil qui est tout en haut. Voilà, le petit écureuil est placé en haut là. Vous voyez, je ne triche pas, je fais la même chose que eux pour représenter à peu près. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? On a le panier à mettre dans l'angle. Ah non, on a autre chose avant en fait. On a l'arbre. L'arbre. Toc. Je vais laisser déborder, c'est pas grave, là sur le côté. Ça c'est fait. Ensuite, on va mettre le gros panier à bûche.
mettez ça devant, le panier à bûche qui est là, donc vous mettez l'arbre avant, après le panier à bûche par-dessus. Ensuite, on a quoi de bio? On a les maisons à installer. Donc les maisons commencent bien dès le démarrage. Voilà. Ensuite, on a un Merry Christmas à mettre sur la longueur. On va commencer sur l'autre. Oui, s'il te plaît. Merci. Voilà, on a une petite étoile. Voilà, même deux, on va en mettre. Hein. Il y en a suffisamment pour les installer. Donc je ne les mets pas trop vers le bas pour éviter que ce soit écrasé après, par la suite. On va mettre là. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, nous avons la grosse flower. Nous avons une étoile. Je ne sais pas si mettre une grande. Si, mettre une grande. Dans l'angle. Donc là, pareil, comme je disais, vous ne dépassez pas trop vers le bord, ça ne servira à rien. Hop, je suis sûr que vous ne voyez rien, vous allez dire, on voit strictement rien. Donc voilà, vous faites les assemblages à peu près. Après, c'est vous qui voyez au niveau de l'installation. Moi, j'aime bien reproduire leur truc pour voir s'il n'y a pas trop de cochonneries, quoi. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est les feuilles. Les feuilles, elles sont plus vers le haut. Ok. Après, on a des belles étoiles. On met une en haut aussi, ça ici. Ensuite, vous avez mis un rouge. Voilà. Ensuite, on a quoi de beau? Une grosse étoile noire que j'ai pas mise encore. Tac. Ensuite, on a les feuilles qui sont plus vers le haut. Ah non, je crois qu'ils ont installé Happy. Allez, on place Happy de chaque côté. Voilà, on a les feuilles à placer par-dessus. Pas assez de colle. Voilà. Ouh, il floute. Voilà. Donc voilà ce que ça représente déjà, une petite partie déjà installée dessus. Ensuite, on a quoi de beau? Ah oui, on a l'installation de ça aussi dans le fond. Donc le rond. Hop. Ça, on va le mettre à la base. Sans forcer, parce que c'est de la feuille. Hein. Ouais. Oh, je le savais. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est des feuilles, donc ça se place vite. Ouais, il faut le replacer vers le haut, c'est mieux. Bon, je vous montre plus rien, hein, je suis désolé. J'essaie de replacer leur bidule. Un écureuil, reviens à ta place. Moi, ce qui m'enquiquine en fait, c'est l'autre. Lui, il m'enquiquine, mais bien comme il faut. Voilà. C'est ça qui me saoule. Ça, je vais le mettre à la fin. Il me saoule de chez saoule. Alors, maintenant qu'on a installé ça, donc comme je vous disais, je vous remontre. Donc, j'ai installé le truc au fond, là. Merry Christmas. Les petits lapins, le cerf, le renne, enfin non, le renne plutôt, la bûche, les étoiles. Et vous continuez comme ça, à la suite. Merci, assistante. L'assistante, c'est ma femme. Je vais me faire engueuler, vous inquiétez pas.
Allez, on replace l'autre partie. Là. Là. Ensuite, on a une belle étoile. Ah, mais je l'ai déjà utilisé, la grosse étoile. Prends-la moi. Tu peux me la rendre ou tu veux pas me la rendre? Si, c'est bon. Ça, on la place dans l'angle là-haut. Du coup, hop, donc ça doit être une petite qu'ils ont mis. Hop. Non, c'est une grosse pourtant. Ah oui, je l'ai déjà utilisé en bas. C'est pas grave. Après, vous faites comme bon vous semble. On a l'oiseau à placer à l'intérieur. Donc eux, ils mettent ça où? Ils s'appuient vers le haut. Je vais le mettre aussi haut que ça, je vais le laisser aller là, parce que sinon on ne verra pas la suite. Ça, ça tient pas. Voilà. Ensuite, on a Mister Mouton. Moi, ils ont plus centré ça. Moi pas. C'est pas grave. Ça, c'est bon. Et vous finissez par vos petites décos à droite à gauche. Les étoiles. Les étoiles, vous les mettez où bon vous semble. Putain, sur l'arbre. Hop. Une petite noire. Allez, hop, en haut. Une autre vers le bas. Et une blanche, je ne sais où, allez, sur le sapin. Tac, si ça a envie de tenir. En fait, ça tient plus sur les doigts qu'autre chose, cette merdouille. Voilà, donc toutes les décos, elles ont été installées. On va fermer la colle pour éviter d'en foutre partout, ce sera pas mal. Voilà. On va replacer ça, donc voilà ce que ça donne en finale. Moi, je trouve que ça fait un peu surcharger tous les trucs, mais bon, c'est leur déco à eux. Hein. Mais bon, c'est bien fait sans être bien fait. Allez, reviens là, toi, Maurice. Là. Donc voilà. Eh non, hein. Ça, c'est bon. On replace l'autre. Voilà. On remet cette feuille qui me saoule. Hein, si tu me permets, hein, je vous le dis d'avance, hein, ça me saoule. C'est trop souple. Ils auraient pu mettre du calque un petit peu plus épais en fait. Je pense que ça aurait été mieux. Voilà, stop, tu bouges plus. Et vous finissez par refermer le haut. Donc comme je vous ai dit, c'est soit vous mettez de la colle ou soit vous en mettez. Moi j'en mets pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas? Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc allez-y doucement pour éviter de décoller de toutes vos affaires. Donc voilà la petite décoration qui est faite là. Vous mettez donc ça que vous achetez à part, hein, bien sûr, c'est pas vendu dedans, comme je vous disais. Vous mettez ça derrière, enfin dedans. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un socle au fond. Ah putain, c'est quoi ce truc-là? Voilà. Décaler peut-être un peu. Voilà ce que ça représente à la fin. Donc ça, comme je vous disais, on a le socle pour la mettre à l'intérieur. C'est ça qui est bien. Et voilà, elle a enfin fini. Donc moi, je trouve ça pas mal. Hop, je zoome un peu. Je sais pas si ça va. Donc là, c'est comme s'il y avait un feu au loin. Ou pas. Voilà. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous a plu. Et puis je referai d'autres plus tard. Donc voilà, je vous présente le produit. À côté pour 1,79€, moi je trouve ça pas mal, c'est bien fait, mis à part le calque qui est derrière qui est un peu trop souple. Donc il est pas très épais.
Il n'est pas très haut, je veux dire. Donc 15 cm, ça. Ouais, 15 cm. Je trouve ça pas mal. Voilà, ça suffit. Donc sur ce, je vais remonter mon écran. Voilà. Comme ça, vous verrez ma sale gueule. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. On est dimanche, hein, je précise. 25. On va essayer de se recadrer un peu, ce sera peut-être mieux. Et puis ce serait bien qu'il change de visage. C'est de l'autre côté, Maurice. Sur ça, bah, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine. Donc partagez, likez, commentez. Et je répondrai à vos commentaires. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà la petite maison en 3D. Donc chaleureuse. Allez, bisous à tous, à la prochaine.